Vous avez tiqué quand j'ai dit médecine parallèle. Ce terme parallèle, pour moi, ça veut dire ça ne se rejoint pas. Vous voyez, parallèle. Oui. Ce sont au contraire des médecines convergentes, c'est-à-dire qu'elles doivent s'associer vers un même but, et ce but, c'est de guérir le patient, d'obtenir un résultat durable. Donc, si c'est parallèle, ça ne se rejoint pas, ça travaille sans se connaître, alors que là, au contraire, c'est travailler la main dans la main. Mmh. Et c'est ce que je préconise dans mes livres, hein, c'est la complémentarité des techniques, la pluralité des compétences, et ceci dans une bonne entente entre les praticiens, et uniquement pour défendre l'intérêt du patient. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrée ou la santé intégrée, c'est-à-dire on utilise les techniques allopathiques et les techniques naturelles qui viennent se renforcer pour avoir, et j'en suis véritablement l'illustration. Oui, je craignais au début que vous n'étiez pas dans la médecine traditionnelle, mais si, bien sûr. Non, ce n'est pas vraiment la médecine traditionnelle. Enfin, c'est traditionnel au sens tradition ancestrale, vous voyez. Et traditionnel, ça encore, c'est un mot à double sens. Traditionnel, c'est pas allopathique. Allopathique, c'est moderne. La médecine traditionnelle, c'est la médecine par les plantes, c'est l'acupuncture. Vous voyez, c'est les techniques ancestrales, si vous voulez. Vous voyez, l'allopathie, la médecine moderne, qui repose sur la chimie, la chirurgie et tout ce qui est radiothérapie, les ondes, etc. Tout ça, c'est très, très bien. Mais ça ne remplace pas la médecine traditionnelle réelle. Elles doivent travailler ensemble, et ceci pour l'intérêt de la santé publique et des patients. Mais vous diriez quand même que vous avez un esprit, une personnalité optimiste. Alors, je vais vous dire très franchement, ça se travaille. Ça se travaille parce que quand on vous annonce que vous n'avez que 30% de chances de survie à 3 ans, vous avez deux possibilités. Soit vous baissez les bras, vous dites « c'est foutu, j'attends que la mort arrive », ou alors vous dites « je vais tout faire pour m'en sortir ». Donc, ce n'est pas de l'optimisme, c'est de la rage de vivre. Vous voyez, c'est vraiment une volonté de survie et de rester en bon état. Parce que moi, mon travail, désormais, et j'ai décidé de ne jamais arrêter de travailler, sauf le jour où ma tête ne fonctionnera plus et que mes mains se mettront à trembler, ce qui n'est pas le cas encore aujourd'hui, je pense qu'il faut absolument cultiver cet art de vivre, et j'essaie de l'inculquer parce que à partir de 60 ans, on dit « je suis en retraite ». Non, à 60 ans, on n'est qu'à la moitié potentielle de la vie. La vie potentielle, Jeanne Calment l'a prouvé, c'est 122 ans. Donc à 60 ans, on n'est qu'à la moitié du chemin. Donc je ne sais pas jusqu'où on ira. On ne sait, personne ne le sait. Mais l'important, c'est d'y aller dans le meilleur état possible. Et c'est pour ça que j'ai écrit des livres, c'est pour ça que je fais des formations et des articles, et que j'ai eu le grand plaisir de participer à votre émission. Merci.